Bon, il est où, Bruce, là? Il arrive? Avec Bruce était dans sa caravane, du coup, il arrive. Et on fait qu'à sa tête. Hein. Drag Race, avec Julia Roberts. Donc là, il y a Julia Roberts dans la rouge, et il y a Bruce Willis dans la bleue. Et là, tu te dis, ouais, Julia, elle est trop forte et tout. Et il y a Bruce, il fait, voilà, ma copine, je vais te montrer ce que c'est qu'un freight driver. Ah, donc là, c'est genre par faire amitié, c'est un défi amical. Rigolo. Et là, il y a Bruce, il sourit au volant. Il y a Julia, ses sourcils, genre, Bruce, tu es vraiment un mal alpha. Oh, merde. Et là, il y a Bruce, il fait une erreur fatale. C'est dramatique du début du film où Bruce sera paraplégique pendant tout le film. Oh non, putain, Bruce, qu'est-ce que t'as fait là? On la garde, c'est ok, on va changer le scénar. On va s'adapter, Bruce, t'inquiète. Oh, faut juste conduire un bus. Je pense que tu vas prendre les gens sur le côté. Vous allez où? Vous avez votre titre de transport? C'est le simulateur fluent. Il y a une bombe à bord! 35 secondes. Ah non, faut rester au-dessus de 35 km/h. Si tu es en dessous, t'en vas exploser! Vite! Dépêche-toi! Mais ça tourne! 1. Mais c'est horrible! Les passagers du bus! Tout est cassé! C'est Bruce Willis qui est à bord du bus? Ouais, je crois. C'est derrière le bus. Vous êtes à bord du bus 2905. Une bombe a été placée par le GIGN. Pourquoi le GIGN y placerait une bombe? Je sais pas, j'essaie d'imaginer un scénario original. Attention, bébé à bord. Il y a une bombe à bord! Pas de problème! Le checkpoint. Il est où? Il est à droite. Attendez les enfants, vous faites pas de soucis, on va la voir. Ah, c'est le moment du film où tu te dis, il l'aura jamais, en fait, il va la voir. Okay. Ouais, passe à droite, ouais, vas-y. Mais y'a un truc qui traîne, qui me ralentissait, c'est de la merde! Ouais, bah c'est de la merde, mais en même temps, tu vas pas à 35, t'exploses, c'est tout quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Damien? Y'a pas d'excuse, pas de foutaise à donner. C'est toi qui change ma caméra. Bruce Willis, t'es un vrai pilote ou t'es pas un vrai pilote? T'es relou, putain. Non, tu vas mieux y arriver comme ça là. Tu vois, tu es conditionné. T'as jamais été aussi loin que depuis que t'as en vue FPS. Attention, y'a un camion. Oui, surtout, j'ai pas la vitesse. Oh, je suis chier. Allez, boum. Putain, t'allais y arriver là, nulos. Nulos. Gros bâtard. Ce qu'il veut, lui. Nulos. T'as trop cru, toi. Tu t'es vraiment pris pour Bruce. Incroyable ça. Ah, désamorcer au lieu de parler. D'accord, je vais voir. Faut leur accélérer, monsieur. Et très vite, et très vite. Mais vas-y, bah, tourne à gauche complètement, fils de pute. T'as raison, on va dans les champs. Vas-y, c'est quoi cette mais moi derrière aussi, vas-y. Tu es passager maintenant. C'est quoi cette merde là? Ça ressemble à. Tu es passager du bus. Bon, c'est plus facile, c'est centré. Ah, oui, c'est super, oui, j'adore. Ah, c'est ma sortie. Oups. Oh merde. Le mec qui va quand même. Ouh, c'est ma sortie ça. Ok, imagine que Julia Roberts est à l'arrière du véhicule. Elle doit avoir son vol. Ok, est-ce qu'elle a des sentiments pour nous? Elle va en avoir si jamais tu l'emmènes à l'aéroport à temps. Elle te proposera de monter avec elle dans son jet privé. En revanche, en dessous de 35 km/h, elle ne t'aime plus. Elle a plus de sentiments pour toi. Tu l'aimes ou quoi, Julia Roberts? Je conduis très vite. Bien. Oh, pique-toi. Tu m'as stressé avec Julia, putain. Julia, tu fais aucun effort. Attention, c'est son ex à gauche. Il conduit un camion très rapidement. Il va nous sauver, c'est lui le rescue truck. C'est son ex, hein. C'est l'ex de Julia Roberts. Oh putain, merde. All passenger rescued. C'est bon, tu l'as redonné à son ex. Tu t'es bien fait avoir. T'es tout seul maintenant. Un nouveau départ dans le désert de l'Utah avec Julia Roberts. Un début difficile avec Julia Roberts. Le blockbuster de l'été. Je veux voir un film avec Julia Roberts et Bruce Willis. Il y a quoi comme film avec Julia Roberts et Bruce Willis? Il y en a pas, il en faut un. Attends, me dis pas qu'il y en a pas, c'est horrible. On peut pas mélanger Bruce Willis et Julia Roberts, c'est pas le même univers. C'est pas dans Ocean's 12, par exemple. Julia Roberts et Bruce Willis sont sortis en couple. Quoi? Super tes scénarios. Tu te rends compte qu'ils ont été dans le même tournage, dans les mêmes pièces? C'est ouf. Ils ont baisé? J'espère. Attends, je cherche des photos où ils sont ensemble. Mec, ils se font un bisou! Wow, oh, départ! Tout est lié. Oh, je vais me branler. Je vais me jeter. Je vais me jeter. C'est Julia? Julia! Celle-ci, pour la scénariser en mode Julia Roberts, ça va être plus dur. Contextualise des scènes avec Julia Roberts dans chaque élément. Ok. Sentless Destruction avec Julia Roberts. Du coup, là, il y a Julia Roberts et Bruce Willis qui sont dans la voiture. Et malheureusement, le volant est bloqué. Ils vont devoir sauter. Là, il y a Bruce Willis qui va protéger Julia Roberts avec ses gros bras et ils vont survivre. Les deux? Oui, regarde. Techniquement, ils vont bien là. Bon, il y a quelques cervicales compétées, mais ça va. Julia, oui. Scène suivante. T'as une casquette de réel là. C'était super. Merci Julia. Merci Bruce. Vous avez été super. Ok, j'ai le prochain scénar. Ok. Attends, tu connais la prochaine scène? C'est le pont. Ouf, putain. Ok, Bruce Willis et Julia Roberts sont dans la voiture. Il est 17h40. Seulement Lidl ferme à 18h. Ils ont et 20 minutes. Le plus rapide de y aller, c'est par le pont de la ville. Bruce.
Julia aussi est devenue paraplégique. Réussi ? Oh, bah c'était le scénario, donc on a réussi le scénario de son paraplégique. Alors Julia Roberts et Bruce Willis sont paraplégiques dans ce film incroyable et ils n'ont pas réussi à aller faire les courses. Va falloir quand même trouver un scénario. Ça va être compliqué. Les deux sont paraplégiques. Ils ont pas pu aller à Lidl, donc. Et ils s'aiment toujours. Ils s'aiment. S'il y a de l'amour, c'est bon. Dans la voiture, c'est le chirurgien qui leur a dit qu'il remarchera plus jamais. Sauf que ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'ils vont devenir encore plus paraplégiques. Ils vont avoir des eaux de mer. J'avais pas prévu ça. Il leur arrive que des merdes. Tu sais, ils se regardent en souriant dans la voiture. Donc là, ils s'aiment toujours, mais ils sont dans un état vraiment dramatique. Voilà, ils peuvent plus rien faire. Ils sont poursuivis parce que du coup, ils ont tué le chirurgien. Ils conduisent avec des jambes de bois. Ils savent plus quoi faire. Bruce, il conduit accident. Donc là, ils sont potentiellement recherchés par la police maintenant. Ah oui, parce qu'ils ont tué le chirurgien. Ils mènent une vie de vengeance. Je sais pas quel est le prochain scénario, mais ça devient très compliqué. Bon, à la fin de ça, ils vont pouvoir aller le revendre à Hollywood. Voilà, c'est la scène juste après, ils vont à l'hôpital. Ils vont faire un check-up à l'hôpital parce qu'ils ont un peu mal au genou. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il n'y a plus de chirurgien à l'hôpital. Allez Julia, on va vite à l'hôpital pour résoudre tout ça. Oh. Accroche-toi Julia. Allez, ok bébé. Droit vers l'hôpital, c'est juste devant. Oh. Ils sont arrivés à l'hôpital mais ils sont pas garés. Ils ont foncé dedans, c'est terrible. Donc là il manque trois ficots à Bruce. Ils ont vraiment des vies de merde hein. Ouais, c'est ouais. Le couple maudit. Même quand ils vont à l'hôpital, ils foncent dedans donc. Puis tu sais, ils s'engrènent tous les deux pour faire de plus en plus de conneries. C'est les Bonnie and Clyde mais version débile. C'est le cap ou pas cap. Mais moi aussi j'ai des balles. Du Bonnie and Clyde, ils sont en cap ou pas cap. Est-ce qu'on la connaît celle-ci? Ouais, je pense. Ça me dit rien. Ah oui. Oh, oh là. Quel alors, contexte. C'est le gérant de l'hôpital. Ça paraît logique. Et il y a Bruce et Julia qui ont trouvé un canon. Et du coup, dans leur envie de vengeance, ils vont tirer sur le gérant de l'hôpital parce qu'il l'avait fait trop près de la route. Et action. Oh, on l'a refait. Donc là, allez, Julia regarde Bruce dans les yeux et lui demande: tu es sûr? Là, Julia nous dit: oui, Bruce, je suis sûr, c'est vraiment un salaud. Et action. Ah, oh, ouais, c'est beaucoup trop, putain. Allez, Julia, on t'a dit comment faire. On monte un peu et action. Oh, on a fait un cauchy. Un cauchy. Regarde, le cauchy il dépasse par, là, par le toit. Il dépasse sur le toit, c'est le cauchy du gérant. Bon, voilà, qu'un peu de chance, ils iront pas en prison. C'est bon, du coup, le mec ne sait pas d'où ça vient, il a juste pris un boulet juste au-dessus de sa tête. Parfait, le chirurgien est mort. Le gérant de l'hôpital est mort. Donc là, ils en sont à deux meurtres maintenant. Bruce embrasse Julia en regardant le véhicule fumer. Ah, ils vont en vacances. La police les recherche, du coup ils sont partis. Mais imagine deux personnes paraplégiques en vacances. Tu sais, maintenant il y a des accents handicapés partout. C'est délicat quand même. Surtout dans la jungle. On découvre le snow en même temps que vous, les enfants. Là, c'est Julia et Bruce en vacances. Ils se rendent vers leur petite maison de campagne. Mais ils ont décidé cette fois-ci de ne pas passer par la route habituelle pour échapper à la police. Et voilà, Bruce connaît un raccourci. On précise que c'est une voiture de location. Hein. On rappelle aussi qu'ils sont paraplégiques, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu de mal. C'est délicat, mais ça passe. Ils arriveront peut-être à temps à Saint-Barth. Et c'est des vacances qui s'annoncent nickel. C'est la partie un peu heureuse du film. Où on se dit que tout va mieux pour eux. C'était sans compter le scénario suivant. Alors là, c'est d'inédit là. Oh putain. Alors c'est quoi le contexte? Ok, alors c'est Julia et Bruce qui descendent de leur maison de campagne jusqu'à la ville. Avec un camion. Ils ont reçu un appel très important à une cabine téléphonique. Faut vite y aller. Il y a un appel très important. Ils ont pris un camion. Ils ont pris un raccourci qui ric-rac. Toujours hein, cette vie de danger. Julia, accroche-toi. On voit presque la cabine. Ils y sont presque. Ah, c'est réussi. Ils vont avoir l'appel. Finalement, c'était juste mamie qui demandait si tout se passait bien. Oh non, putain, ouais, c'était Lex qui les a retrouvés. Ah oui, Lex, putain. Il les a menacés par téléphone. Ok, j'espère que c'est un contexte où il y a un ennemi. Je sais que vous êtes paraplégique et je vais vous retrouver. Attention, c'est son ex à gauche. Il conduit un camion très rapidement. Alors là, il y a Julia et Bruce qui veulent se prouver leur amour et du coup, dans une scène un peu folle. Donc là, ils viennent de voler une voiture de police et à l'intérieur de la voiture qui est là-bas se trouve l'ex. Ah ouais, putain, ils vont le prendre par surprise. Ok, Julia, c'est maintenant qu'il faut l'avoir ton ex, sinon il va nous tuer. D'accord, Bruce. D'accord, Bruce. Bruce, on est trop loin, je crois. Oh, en plein dans le mille. Bruce qui perd les trois dents qui lui restaient. Bonjour, monsieur, vos papiers. T'es qui tourne la tête, mais c'est mon ex. Oh. C'est nul à chier, mais l'ex est neutralisé. Il est plus humilié, c'est pas neutralisé. Et ça, parce que dans la ville, personne ne se dit que c'est bizarre parce que c'est une voiture de police. Du coup, ils se disent: ah, ça va, ils font que leur travail. Du coup, Bruce et Julia s'en sortent sans problème. Il va falloir peut-être qu'ils s'échappent pour vivre leur amour tranquillement. Mais au moins, ils sont débarrassés du l'ex, du chirurgien et du directeur de l'hôpital. Là, vraiment, tous leurs ennemis ont été abattus. On dirait le feu de l'amour, c'est le directeur de l'hôpital, le chirurgien et l'ex. Alors là, ils sont en fuite, on a vu ce qu'ils ont fait, Alex. La police les recherche là. Mais voilà. Un mur.
Aucun problème pour Bruce. Julien, encore une fois, accroche-toi. Ils ont réussi à s'échapper parce que la police n'a pas réussi à faire ce saut incroyable. Et je crois qu'ils ont d'ailleurs franchi un nouvel état, ce qui fait qu'ils ne sont plus recherchés. Ah, ça fonctionne comme ça. Ils ont passé le canyon, ils sont au Kansas maintenant, donc c'est bon. Malheureusement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au Kansas, il y a une autoroute. C'est un peu la fin du film et on se dit ouais, c'est bon, du coup ils se sont échappés, tout va bien, c'est cool. Ils sont sur une grande autoroute américaine où ils sont libres. C'est une fin un peu heureuse quoi, mais voilà, il va y avoir une mésaventure. On se la prend, on se conduit comme un connard. Déjà pour impressionner Julia. C'est pour impressionner Julia. C'est quoi cette voiture? Basé dans le quartier, je suis déchiré. Là, Julia est morte de rire, elle fait « Oh, Bruce, tu es fou !» Et là, Bruce ne voit pas à temps ce camion. En slow motion, on voit Julia très inquiète. Je ferai la suite du scénario, je l'ai, mais il va falloir attendre que ce soit passé, ça. J'allais dire que Julia perdait la moitié de son visage, mais restait vivante. Et gardez la banane. Ah, Bruce! Ah, Bruce, bien joué! On l'a évité! Toujours des excellentes cascades réalisées par les acteurs eux-mêmes. Je suis content qu'ils s'impliquent autant dans le scénario. Donc là, Bruce se gare tranquillement sur le côté. Sur le côté pour appeler l'urgence. À toutes ses émotions, il embrasse Julia à l'envers dans une scène très romantique. Et c'est la fin du film. Ouais. Bravo à tous, c'est une fin de tournage. Bravo Julia, bravo Bruce. Vous avez mal quelque part, tout va bien? Ah, bah on voit les entrées au cinéma là, ça cartonne partout. Hein. Blockbuster. Je vois bien des critiques du film. Bouleversant. Bruce Willis et une Julia Roberts à bout de souffle. Une histoire passionnelle et dangereuse. Un nouveau regard sur la paraplégie. Oh bah oui. Bah n'allons même pas. Putain, bah oui. Et si on plaquait tout? Livraison de voiture. Elle arrivera forcément en bon état. Faut aller vite. Cette voiture de luxe appartient à un très grand footballeur. Vite. Il la veut livrer Cristiano Ronaldo. Ah bah il va être pas de content. Hein. Il va attendre un peu. La société Terracide là. Pour l'instant elle est intacte. À fond avec la voiture de Cristiano Ronaldo. Calme-toi. Putain. Oh, il la veut livrer avant la tombée de la nuit. Oh Christian. Oh putain. Oh là, Christian. Oh là là. Comment il serait trop vénère en vrai? Attention. Désolé Cristiano, on est vraiment désolé. Tu sais, il arrive avec l'angle par là, comme ça, pour montrer qu'elle est géniale. Tout va bien. Elle en jette, hein. Top 9. Mais je vois pas le contexte du truc, en fait. Un camion se dirige vers vous, il y avait marqué. Et vous devez... passer au-dessus de lui. Go Gadgetto. Vous devez le convaincre d'arrêter, d'avancer. De lui faire des grands signes pour lui dire de s'arrêter. En face, c'est Cristiano Ronaldo qui arrive devant toi. Attends, mais je comprends pas. Ah non, il fallait que je me range sur le côté. Vous l'avez eu. Il y avait marqué, vous l'avez eu. Ah bah super, c'est absolument qui nous a eu. Regarde. Un camion arrive face à vous. Réponse A. Vous vous rabattez. Réponse B. Vous lui foncez dedans. Oh putain. Bravo. Bonne réponse. Tranquille pour l'instant. Oh putain. Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'ai réussi à être ici. Quoi? Oh putain. Oh. Et voilà. C'est ma vie. Oh. Noah. Oh. En plein milieu du looping, mec. Oh. Ça, c'est le moment où je suis devenu paraplégique. Je ne le savais pas encore. Ça, c'est le moment où je suis devenu paraplégique. Salut. Thank you.